Ces images amateurs montrent les premiers raids aériens américains en Syrie. Aidés de 5 nations partenaires arabes, les États-Unis ont bombardé dans la nuit de lundi à mardi des positions de l'État islamique. Pour l'instant, le Pentagone n'a pas donné plus d'informations sur le déroulement de ces frappes et sur le degré d'implication des différents pays. La France, qui intervient militairement en Irak, refuse pour l'instant de se joindre aux opérations contre la Syrie. À New York, le ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius a rappelé lundi que la France ne pouvait pas tout faire. But action must be taken against Bashar as well. And anyway, the opposition must be supported. It must be supported in terms of means, of finance, and action and training, all that. And France has said that in Iraq we shall have air protection, and in Syria we shall support the moderate opposition. Ces derniers jours, plus de 100 000 Kurdes ont déjà fui l'avancée des djihadistes de l'État islamique dans le nord-est de la Syrie. Ils se sont réfugiés en Turquie.